langage vulgaire, là, on ne peut pas parler. Mais pour le prédicateur, il y a un prédicateur qui vit vulgaire. Et le prédicateur qui va venir prêcher là, même ça, on ne peut pas dire de la façon. Mais quand je dis que la mort, on flanque. Et même pour l'obtenir, même vous-même, vous sentez que quelqu'un est mort lourd. Parce que moi, je pense que quelqu'un prédicateur qui a prêché, c'est vrai, c'est la diaspora vérité. Mais les dire dans le langage vulgaire, vous voyez, les langues parlent, ou l'offre tant de messages là, ouais, message là lourd, parce que le langage là vulgaire. C'est le langage que je vais utiliser surtout dans le ghetto. Lorsqu'on est ghetto, tu me convertis. C'est pas mon Dieu pour changer le langage. Les langues ça parlent à vous. Mon cher, on a des problèmes parce que le langage là lourd, le langage vulgaire. Et quatrième type de langage là, c'est ça, le langage soutenu ou pour rapport. C'est le langage que je vais utiliser dans l'université, le langage haut niveau, pour les que. Quand il a parlé un orateur, il peut utiliser le langage, et bien ça nous est pour rapport au langage soutenu. Maintenant, où capable, soit le monde qui parle un langage soutenu, soit vulgaire ou familier, ou pas de langage spirituel. Ah, comment ça va dire? Ou pas de langage spirituel. Le langage spirituel, si on langage sorti en haut, et bien l'école qui va être. Bible dit pour ça que dans Colossiens 4, verset 6, c'est pour parole toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est-à-dire que lorsqu'on est au monde qui connecte avec Christ, nous avons au monde. Même là, vous êtes tombé dans le péché, mais pour façon pour ramener vous dans l'engagement spirituel. Même là, vous êtes tombé dans pour façon pour faire vous dans le péché. Mais que vous ne pouvez pas parler, pendant que vous êtes tombé, tout faire vous dans le péché. Parce que tellement parler vous dans mal, les tellement qui étaient vous dans mal, même Jésus n'a pas besoin de faire. Les chrétiens, si la mec soit théo, c'est dans la vie qu'il faut vous montrer. Et pendant que vous êtes dans la vie privée là, il faut décourager à l'évangile là. Et moi, pour ça, l'homme qui tombe dans le péché, c'est pas bon, l'homme qui a guillé, c'est prendre patience avec elle. Même si on a dit, il va vite pour le condamner, et il prend patience avec elle. Jour qui jour, m'obligé, ou elle maintenant, là, vous êtes tombé là, c'est pas bon, vous mettez pied sous poule, il est déjà à terre déjà. Pour qu'il soit fait ça, il est déjà souffri déjà. Pour qu'il soit fait ça, c'est pas le même pour le tromper. Montez que dans l'évangile, il y a la vie. Montez que dans l'évangile, il y a grâce. Et puis, pour qu'on langage spirituel, pour qu'on parle à vous, la décrète ça de faire, ou pas l'armée, ou pas rejeter, parce que pendant ton père, c'est pas mon moment pour critiquer. Mais je dis à l'église là, un problème de langage. Est-ce que le langage est spirituel? C'est une signe qui nous dit qu'on commence à transformer. On va quelqu'un qui l'a changé le langage. L'eau à l'eau, nous ne pouvons pas se parler avec bien aimé. Comme on dit. Quand on va faire ça, c'est mieux ou on va faire ça avec une jam, ça va faire la jam. Le langage est spirituel. Ah, on a gagné Gastaman. On a gagné Gastaman. Posez la blague. Est-ce qu'il y en a? Amen. Le langage doit être spirituel. Jésus, dans Jean chapitre 7, verset 46, pharisiens ont attendu Jésus. Et ils ont senti, ils sont parlé de niveau terrible. Et ils ont dit jamais comme. N'a pas pu dire comme ça. Beaucoup de gens ne peuvent pas parler dans le niveau ça. Elle dit que les bons langages qui profond, et ça, le Christ de la cave, doit parler de langage spirituel. Que vous ne soyez pas attendu de la parler. Mon serviteur, pour nous avons problème à faire débat avec le serviteur. Nous commençons à faire débat à 11h du soir, on finit à 4h du matin. C'est pour le langage spirituel. Nous commençons à 11h du soir, on finit à 4h du matin, on a parlé de la Bible, on a parlé de révélations spirituelles, on a parlé de comment bon Dieu l'a fait avec nous, on a parlé de ça, la parole de Dieu représentée. Nous faisons 5h de temps, on a parlé. Et puis, Dieu vous l'a côté. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire. Le langage est spirituel. Et je dis à si nous voulons l'église qui transforme, comme le langage, nous ne pouvons pas dire spirituel. Et tout spirituel et spirituel, c'est pas dans le souci à spirituel. Non. C'est pas souci à spirituel.
gen moun an bas chè a, li bon langage, sous chè a, li bon langage. Non, langage a li toujours spirituel. Pendant la cuisine, non? Ou pas cuisiner, ou bon langage spirituel. Pendant la foyer avec Marie, ou bon langage spirituel. Pendant que avec Timoun, y a fait les autres, ou bon langage spirituel. Pendant que ou en dans l'école là, ou bon langage spirituel. Pendant que dans le business, on travaille pas trop, ou bon langage spirituel. Nous là, le langage spirituel. Quel est le langage qui nous vu? Son langage qui nous donne. Quel est le langage qui fait? Son langage qui nous donne. Le langage est spirituel comment? Parce que mon côté rivé, c'est la parole qui nous donne. Je dis qu'Étienne, lorsque nous avons lapidé Étienne, dans Acte 6, verset 10, nous dit que n'ayons pas qu'à résister à la sagesse dans nous, Étienne. Alléluia. N'ayons pas qu'à résister avec parole qui a sorti dans nous, Étienne. Quand on a discussion avec nous, on parle. Quand on parle avec nous, on a discussion avec nous, on a dit que c'est à jouer. C'est pas pour nous, on a donné, on a dit qu'à résister à son diable. Quand on parle avec nous, on a dit qu'à haut, et nous avons dit qu'à nous, on a dit qu'à nous fâcher, nous commençons à jouer. Mais jouer là, on a se battre là-bas. Pour capable jouer, pour sortir au niveau spirituel là. Mais pas tout ça, toujours été avec même la guerre spirituelle là, parce que bon Dieu a récompensé pour ça. C'est la transformation, le langage spirituel. Et si tu as soif d'avancer dans le mur, besoin de langage spirituel, dans le foyer là. Pendant que Marie a appelé, courir dans le monde, ou Marie a appelé, chapper dans le monde. Ouais Maria, il y a un problème. Mais vous-même, utilisez le langage spirituel. Quand vous avez madame dans une balle en vie, utilisez le langage spirituel. Est-ce qu'on l'a dit? Pas utiliser le langage à belle. J'ai l'air de mettre la belle foyer à vous. Et si vous nous avez observé, pendant que vous nous avez observé, il y a gardé qui sa papa vous l'a dit, qui sa maman vous l'a dit. Quand il y a l'air de vous parler, nous allons reproduire le bagada, nous allons fâcher parce qu'on met dans la prière. On va besoin de dire qu'on met dans la prière, c'est son débat. La reproduire. C'est vous qu'on entend dire. Maintenant, c'est depuis qu'on y a pour tout faire ça pour faire. Bon dame, qui t'a sorti mon service certain en Russie. Mais à l'époque, c'était l'Union soviétique. Nous allons voir où est le christianisme, c'est le chrétien, il y a tué. Et. Ou bien on met dans la prison, le torturé, il faut passer misère. Parce que le pape d'accord l'évangile prêché en Russie. C'était l'Union soviétique à l'époque. Et puis pendant le croisade d'Allemagne, nous avons d'Allemagne absouti. L'église, nous dit d'Allemagne, qui compte saute là? Parce que quand on a rapidement s'assuré à ce qu'on arrive à l'église, d'Allemagne dit, nous en termes, nous sautons. Nous en termes? Et puis, mesdames, je vais la carrière pour écrire. Elle m'a dit, Seigneur, je vais pas oh, nous sommes l'église, nous sommes en terre, nous sommes non, je ne vais pas là, je ne vais pas mentir. Parce que d'abord, nous sommes dans cette scène. Puisque nous sommes dans cette scène, nous sommes commémorés la mort de Christ, nous sommes non en terre. Dans la gaz spirituelle. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Bon, tu mets parole dans mon chien. Mais ça dit dans Matthieu. Il dit ça dans Matthieu chapitre. Dans Matthieu chapitre 10, verset 19 et 20. Il dit, l'arrivée dans le tribunal, vous n'avez pas besoin de créer des paroles, de méditer qui sont à dire. Mais cet esprit, mon Dieu, a mis des paroles dans vos jours. Et dans ça, c'est une situation, ça même l'idée. Pendant que l'arrivée, eh bien, les sorties pour lui voir tu es vrai. Non, en termes de sortie. Mais parole de sang, elle sortit, en rôle sortit. Et le papa est motivé. Parce que chaque fois, nous avons fait cette scène, nous avons commémoré la mort de Christ qui sont en terre. Le langage spirituel pour les choses. Combien vous avez besoin de langage spirituel ça? Amen. Non, on a besoin de langage spirituel. Mais quand il y a le bord de la femme, vous sentez que ça geste dans le vous sentez voir la vie là. Vous sentez voix de Dieu. Vous sentez voix de Dieu.
Et c'est une sagesse que en pile cette habitude de gagner, les a parlé. Et que l'amour, ouais, le langage spirituel. Comme on dit là, qui peut soigner le langage ça. Pierre, qui est dans passé plus que 3 ans, mais près de 3 ans avec Christ. Pierre, qui est dans le langage spirituel là. Vous avez ce matin là? Amen. Pierre, qui est dans le langage spirituel là. Et vous avez l'air pour l'aller avec Christ. Tu mets ça, ou bien avec Christ, tu es moins bien. Pierre dit moins bien, pas d'affaire. Et puis Pierre suit toujours. Vous allez côté, vous dites, même, monsieur, vous avez le guéri. Parce que l'engage où Faites-le reconnaître. Pendant que Pierre lui-même l'a caché, parce que le pape avec Christ, mais il est dans le langage spirituel. Pendant que caché, il parle au monde avec Christ, mais l'engage l'a fui. Je ne parlais accent à rien. C'est accent vous qui t'a marché avec Christ. Quel monde, comme vous connaissez, vous nous avez fait le bon plaisir. Les conneries de mon groupe de nous. Et on a fêté. Et puis les mêmes là pour les boissons. Tout qu'on a sous, il sous. Mais malchance pour lui. Il faut des langages qu'il va utiliser, mais c'est dialecte parle dans le secteur évangélique là. Et puis, il y a un peu de vous. T'as fait un petit peu. Vous convertissez lui. Vous ne pouvez pas convertir. Et puis, de même côté à gêner. Parce que malgré le même côté avec vous, mais vous découvrez que il y a une saucisse là sous lui. En plus, il ne faut pas parler de ce que vous avez dit. Vous avez dit, oh, pasteur. Vous avez dit, oh, serviteur. Faites le là, non. Il n'y a pas son bêtise parce que là, il n'y a pas place. Il y a un côté où il n'y a pas place. Je dis à quand même qui là, qui veut un langage spirituel pour les choses spirituelles. Troisièmement, non seulement Mounsa veut la pensée de Christ, Mounsa veut un langage spirituel, mais il ne vit pas sur le ciel présent. Mounsa ne pas le vivre sur le ciel présent. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du siècle présent? Qui caractérise le siècle présent, ça rien? D'abord, le siècle présent, c'est la valorisation de l'individu. Mais qui ça veut dire le siècle présent? Je vis pour moi-même, je suis le centre de la mesure de tout. Chacun pour soi et comme il n'y a pas de Dieu pour tous, les autres n'ont qu'à veiller sur eux-mêmes comme moi. Maintenant, c'est la valorisation de l'individu. Aujourd'hui, c'est mettre tête en valeur, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur WhatsApp. Et tu mets tête en valeur, mais tout le monde t'a aimé, on vous balle un like parce que c'est le moment. C'est le siècle présent, la valorisation de l'individu. Mon Dieu peut être plus valeur que mon Dieu. C'est le siècle. L'être ne vous conforme pas au siècle présent. Il y a raison. Deuxièmement, c'est la recherche de l'épanouissement personnel. C'est caractéristique, c'est présent par là. Recherche de l'épanouissement personnel. C'est-à-dire que m'a créé plaisir pour être moi. M'a vie vive. Parce que le construit de l'erreur, pas de la vie, sous un vie, m'a vie vive qui n'aime pas pour moi. Mais en dehors de la volonté de Dieu. Troisièmement, c'est la culture des diverses. Divertissement, pardonne-moi. C'est la culture des divertissements. Cinéma, musique, compétition sportive. Nous vivons que Jodia, tout le monde aime t'aimer divertir. Tout le monde t'aimer. Et puis, yo, jouer dans yo, jouer comme yo. Et ça peut même dans la culture ici. N'a pas que vous attachez à la musique en pile. Depuis le week-end arrivé, je mettrai la radio dehors, entendre la musique. Ouais, et puis fumer, ça fume, et puis jouer comme yo, même là dans le Dieu, avec un peu de travail. Compétition sportive, le commence par sport à 6h du matin jusqu'à 10h, minuit, il n'y a pas sport. Et parfois, on a perdu du temps devant la télévision, on a gardé sport, il faut garder Real Madrid, on
dans la guerre Barcelone, saute dans Barcelone, tombe dans Milan, saute dans Milan, tombe dans Inter. Après ça, on va regarder le basket. Il passe une journée. C'est compétition sportive. Ce sont les caractéristiques du siècle présent. Le siècle présent, c'est le but. N'est-ce pas? Mais bien deux, mais c'est deux, le spirituel de mon fonction, l'être là, ça nous est l'être là. Peut-être que l'être là, mais c'est un aliment qui est un pire élément là-dedans. D'abord, en termes de vitamines, il y a vitamine A, vitamine B, vitamine D. Vitamine B, nous connaissons les anti-anémiques. Vitamine A, et vous pouvez visuel, vous pouvez avoir des problèmes ça. Et vitamine D, quand c'est l'achitique. L'achitique, ça explique pour qu'il soit mal bien développé. Et dès qu'on comprend que lorsque vous prenez la parole, la c'est l'être spirituel a grandi. Mais il y a un gros problème qui est lorsque vous parlez de l'être. Non seulement avoir l'achitique, mais tout, vous pouvez avoir anémie. Et dès que vous avez anémie, vous avez un gros anémie antiférique, vous avez anémie, vous avez un gros assez de développé, vous avez un gros sang. Vous avez une quantité de sang pour anémie, vous avez un fer. Et il n'y a pas quelque chose d'anémie qui existe encore. Mais il n'y a pas qu'à résoudre que la parole comme étant le lien spirituel, eh bien, l'homme lui permet que le membre fonctionne bien sur le plan spirituel. Et bien sûr, la parole lui comparait de venir avec bien. Bien là, des mots que est très important pour croire. Bien là, les vitamines, la dame qu'on est vitamine anti-stérilité, c'est que lui permet que le capable de faire très bien. Et lui, antioxydant est une vieille cellule qui va bien fonctionner dans le corps, il est bien, il est capable de mettre le yon même. Et bien là, pas quel travail qu'il fait, il permet que le sucre bien réglé, de stress qui est dans le métabolisme, il favorise que le capable de consommer notre bien, et il permet que vous ne pas constiper, c'est-à-dire que vous allez à la selle, vous allez faire bien, puis améliorer votre fonction cérébrale. Etc. Et bien là, on trouve que c'est très important pour l'organisme. Et dès que la parole nous est un miroir, en une fois, ils nous font une erreur, regardez avec la parole, nous voyons une erreur, à découvrir le miroir lorsque je viens, il paye, il a sorti, et bien là, regardez dans le miroir, la salle de glace là, nous voyons que nous faisons la bien faite, le visage est frais, et pour que le visage passe, et pour nous le marquer, ça va vous mettre là, pour le visage est belle. Et en plus, pendant que nous sommes sur route là, tu es même comme sorti pour l'envahir. Mais lorsque tu es même sorti pour l'envahir, la parole c'est nous comme lumière. Parce que la Bible dit la parole est une lampe, n'est-ce pas? Et puisque la parole c'est une lampe liée, eh bien, l'éclairer lui-même et nous rapporter. Et demandons que la parole est son épée à double tranchant. Et la parole là est capable de changer et mentalité, est capable de changer tout ça pour gagner. En termes pour capable de fonctionner et j'en produis bien. Mais à ce point-là, l'important pour nous capables de parler de ça, nous allons parler de les signes de la transformation. Et puisque la parole entre dans vous, la travail, nous bien là où elle est là, est-ce que vous avez ça? Parce que l'autre bienvenue, de vous gâtez vous nous êtes bienvenue, qu'est-ce que vous marchez sur moi? Il y a des lettres. Et pas vrai? Il y a des gens qui marchent sur cette route, mais il y a des gens qui disent 18 mois à marcher, 18 mois à marcher. Vous comprenez? Il n'y a pas de temps pour finir 2 ans à marcher, après 4 pas à tomber. Même si on n'a pas de fond, ça n'est pas de jardin, pas d'expédition, il n'y a pas de temps pour être bien. Est-ce que ça? Non, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Parce que pour mal nourrir, ça crée des malnutrition. Pour mal nourrir, normalement, pas bien. Pas bien fonctionner. C'est même genre. L'église n'est pas aussi différente de ça m'a gardé dans le naturel. Ok? Et pour mal nourrir spirituellement, il y a pour ça. Maintenant, nous allons parler de les signes de la transformation. Les signes de la transformation. L'homme, c'est une. Prenons le texte. Prenons le texte. Ok, Corinthiens chapitre 2. Ok, on a regardé dans verset. Verset, on commence dans verset.
2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 16. Ok. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est cette grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on le juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par un personnel. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Or, nous avons la pensée du Christ, parole du Seigneur. Les signes la transformation. Oui, l'homme, dans toute évolution, l'homme va arriver de la place. Tout cela fait le démontre. Et ça fait tout le monde qui a fonctionné, lui qui a fait, parce que ça va dire, hein? Nous n'avons pas un extrême de croissance là. Et pour sauter dans 1, nous dans 2, nous sommes dans 2, tomber dans 3, nous sommes dans 3, tomber dans 4. Nous ne pas sauter dans 4 pour revenir dans 2, mais dans 1, nous sommes régressés. Et l'homme parle et ne fait pas, l'homme n'était avancé. Et même dans le mal, l'homme n'était allé jusqu'au bout. Propre le bien. C'est-à-dire l'homme n'était allé jusqu'au bout. C'est de même, si que nous avons quitté la parole transformée, nous avons quitté la parole entre dans nous, nous avons quitté la parole le fait avec nous. L'important pendant que nous dans l'évangile là, nous commençons à voir des signes qui montrent que, et bien, parole là, et bien, nous dans nous. Il y a des signes. Et bien, c'est sûr, ça, nous pouvons partager avec vous quelques. Si vous pas quelques billets, mais nous avons quelques signes qui montrent que, où sont chrétiens qui commencent à venir. Et bien, pour ça, l'évangile là, pas bien, cachez la. Nous n'avons pas besoin de gros pancartes dans nous, vous m'avez dit. Nous n'avons pas besoin d'aller sur YouTube, sur Facebook, dire que nous sommes chrétiens. Maintenant, quand on a vécu avec, à partir de l'expérience que je fais, là, il y a certainement son monde qui est connecté avec Christ. Est-ce qu'avec moi? Et ça, quand je me dis ça, deux chrétiens qui sont connectés, deux chrétiens qui ont marché avec Dieu, nous sommes capables de toujours faire une différence, mais deux mondes qui sont connectés avec nous, nous ne pouvons pas diviser. Parce que l'esprit n'a pas servi dans moi, mais s'il n'a pas servi dans nous, nous ne pouvons pas diviser. Si nous divisons les sous terre, elle a divisé dans celle-là, même si ça doit être dans le scandale dans celle-là. Et ça, quand les sous terre, nous avons commencé à être grâce à l'évangile là dans nous, et lorsque nous venons à l'évangile, les arts, n'a pas compris que ça, Christ a prêché sous terre, il était réel dans la vie. Est-ce qu'on avec nous? Maintenant, et ça fait à soi, nous voulons pas que nous même qu'à marcher avec Christ, mais si ça y est, nous devons la taille. Ou même qu'à marcher avec mon Dieu, ou même qui dans l'évangile, nous devons si ça y est, la taille. Peut-être que papa dit que ça fait qui signe et à travers le message que nous allons prêcher là, nous allons montrer qui signe parce que c'est très important pour connaître ça. Premier signe où nous devons la taille en tant que chrétien. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu pour nous donner la pensée de Christ. Amen. Est-ce qu'on a dit ça? Pour nous donner la pensée de Christ. Maintenant, le verset 10 là, je vais te quitter, il dit, mais, ok, on va commencer dans le verset 9 là, de Corinthiens, et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit, mais comme il est écrit, sur des choses que l'on n'a point vues, que l'on, des choses que l'on n'a point vues, que l'on n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme que Dieu a préparé pour ceux qui le veulent. Verset 10, attendez ça, verset 10 à 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Nous remettons le texte, son texte, mais nous ne parlons pas de grâce qui est dans le texte. Nous remettons que, ça que Dieu nous réserve pour nous, j'ai beaucoup. D'accord? Bouche pour vous parler, même pour vous toucher. C'est-à-dire que, pas que nous qui nous contrôlons, ça mon Dieu préserve tout. Mais le Bible a les plus pour nous que l'on connecte avec Christ, ils font l'autre calcul. Raison, parce qu'elle dit, bon Dieu, révélez-nous, j'ai des bagages, ça y est par l'esprit. Et ça fait l'homme qui connecte avec le royaume, ou qui pense avec Christ, et bien que le royaume n'a pas qu'à, et bien, le bagage qui croit, et bien, mystère vous-même. Et ça fait, je dis là, l'important pour connaître ça.
Le domaine de la pensée de Christ, la Bible a dit pour ça que, or nous, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, ce qui suivit, ça va réfléchir, nous reflète Christ. Ce qui suivit, ça que va penser, nous reflète Christ. Nous verrons dans Philippe 4, verset 8, ça dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, c'est-à-dire que les chrétiens, les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui marchent dans la vérité, les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui vivent dans le mensonge, les gens qui marchent avec Dieu, sont un mode de vie à mener, des modes de vie qui demeurent dans le mensonge. Et ça fait que la Bible dit que tout ce qui est vrai, elle dit tout ce qui est vrai, tout ça qui est normal, tout ça que tout le monde est capable, eh bien, d'accord comme la vérité, nous sommes la caille. Deuxièmement, ce qui est honorable. Ce qui est honorable, c'est-à-dire que chrétien, tout cela fait, il doit faire pour être capable de féliciter. Il a beaucoup de gloire, non? Pour le féliciter. C'est-à-dire que l'offre fait mal là, pour être que par médiocre. L'offre fait son affaire, pour être que qu'il mon Dieu là-dedans. Ce qui est honorable. Et puis, ce qui est juste. Je dis à un plus gros problème qui est, c'est que l'Église n'a pas d'accord demeurer de la justice. Il y a une injustice même à l'intérieur de l'Église. Puis le fait que nous jouons que nous ne voulions pas marcher dans la justice. Or, la Bible, c'est pour ça que justice pour nous dépasser, scribions avec pharisiens. Maintenant, ce qui est pur, le problème est pur, c'est que tout soit fait, il faut faire avec un bon motif. Il faut être faut dans l'esprit pour le droit. Ce qui est aimable, tout soit fait, nous nous aimer. Ce qui est aimable. Pendant que je joue la musique là, moi je joue la musique là, et puis moi je joue bien pour me réveiller. Pendant que je prêche, je fais toutes les formes pour me prêcher, non seulement sur l'explication du Saint-Esprit, mais aussi pour toutes les mêmes pour tout le monde, moi fais un effort pour me faire ce qui est aimable. Ceux qui méritent l'approbation, l'offre qui me fait là, il faut le voir avec le médecin. Et ça fait gentil, nous n'avons plus de problème, nous gagnons un noyau. Les affaires, on bagaille pour mon Dieu, nous faisons le médiocre. Et les nous faisons le médiocre, ils ne parlent pas de royaume. D'accord, non? Maintenant, si on pourrait la chanter, Coran là peut faire toutes les fois nous faire répétition. Pendant que nous chantons, eh bien, pour nous attendons, ouais, voyons bien accordé, et puis nous édifier. Et là, nous édifier, nous battons. C'est que ceux qui méritent l'approbation. Et puis nous dit tout ce qui est vertueux, tout ce qui est vertueux, il dit que il nous est bon, il nous est agréable. Et tout ce qui est digne de louange. Et puis dans Philippe dit, soit l'objet de vos pensées. Maintenant, où est-ce que la pensée de Christ? Lisez dans Proverbe 23, le verset 7, il est tel que les pensées dans son âme. Ah. Maintenant, qui va nous faire, va y faire. C'est dans la tête qu'il sortit et qu'il manifestait tout pour nous faire ça. Maintenant, ça le fait, c'est pour y faire, c'est son mode de vie lié. Maintenant, le fait que l'esprit va en forme, le fait que l'esprit va dans la pensée de Christ, et bien c'est normal pour que ça le fait. Comment vous l'avez, captonnez, qui a la pensée de Christ. J'ai oublié dit, Christ est une pensée propre, lui sans péché, lui c'est une grâce qui jamais existé. Mesdames, lorsque nous avons la pensée de Christ, nous avons une pensée de méchanceté. Lorsque nous avons la pensée de Christ, et bien, nous avons une transformation en fait, la caille. Mais la transformation commence dans l'esprit. D'abord, il faut que l'esprit ouvre le mind. Et ça, dans tout le pays, le premier bagage que nous faisons pour changer l'ordre de mon pays, nous inculquons la culture paysanne. Nous changeons le mind. Nous changeons les réflexions. Et en fonction de ça, nous allons ouvrir pour fonctionner en bien. Combien vous la captonnez? Il a dit que vous l'éternel. Il a dit qu'il est tel que les pensées dans son âme. Maintenant, si on dit qu'il est tel que les pensées dans son âme, dans Proverbe 2, 3, verset 7, ça veut dire que ça va produire, c'est dans l'âme où il saute, c'est dans l'âme où il saute.